Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Le meilleur moyen de me soutenir les amis, c'est de vous abonner et de liker la page, de partager à tous vos amis et tout ça. Et c'est vraiment un gros soutien que vous m'apportez en faisant ça, donc je compte sur vous. Aujourd'hui est un jour un peu particulier, Steve Lukather vient juste de sortir son nouvel album et je voudrais vous montrer le riff principal du tout premier morceau qui s'appelle Along for the Ride. Donc je vous montre la toute première phrase en fait qui est un peu le leitmotiv du morceau et qui revient en fait tout au long du morceau. Alors en soi c'est pas hyper compliqué à jouer, on va jouer sur la corde de sol, on va jouer 6, 7, 9 et 12. Et quand on va jouer donc le sol à la 12e case, on va donner un petit coup de vibrato. Alors lui, Steve Lukather, il a une particularité à son vibrato, c'est qu'il peut donner un petit coup dessus en fait, et ça donne cet effet un peu, je dirais, à la Jeff Beck, qui fait vraiment la sonorité de ce riff. Moi, je le fais avec la tige du vibrato, espèce de tiré nerveux, et à la fin, je fais ce qu'on appelle le flotteur en fait. Je laisse rebondir en fait le vibrato et je reviens au point de départ et je fais un slide à la fin. Enfin, je fais un slide. Il fait un slide à la fin. Ensuite, toujours sur la corde de sol, on va jouer 2, 4 et ensuite on va aller corde là 0, 2, 3 et on termine par un ré. Voilà, c'est vraiment ce petit riff là principal. Il y a des parties en accord après, je pense que vous pouvez juste en regardant la vidéo les relever, j'ai pas besoin de vous les détailler, mais cette partie là elle est vraiment symptomatique du jeu de Steve Lukather et de finalement de ses influences, notamment de Jeff Beck. Et voilà, c'est un super album, il est monstrueux, je vous encourage à l'écouter au plus vite. Et donc voilà, j'espère que ça vous amusera en tout cas de pouvoir jouer cette petite partie du morceau. Et puis voilà, si vous voulez que je relève la suite, enfin je l'ai relevé déjà, donc voilà, si vous voulez que je vous montre la suite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous êtes assez nombreux à ce moment-là et que j'ai le temps, à ce moment-là, je vous ferai une transcription complète du morceau, je le jouerai en entier, etc. Mais voilà, mais en tout cas, je trouve ça cool. C'est pas tous les jours qu'il y a un guitariste comme Steve Lukather qui sort un album, donc jetez-vous dessus, écoutez-le à foison, profitez-en, c'est plein de bonnes choses qui sont intéressantes à écouter et à travailler à la guitare, donc profitez-en, et voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.